Vous aimez boire de l'eau pure, complètement saine pour votre corps. Peut-être que pour ça, vous essayez d'éviter au possible l'eau du robinet, même si en France, on est loin d'être mal loti. Donc peut-être que depuis déjà longtemps, vous buviez principalement de l'eau en bouteille que vous deviez du coup racheter, etc. Ça fait beaucoup de consommation de plastique. Et peut-être que vous vous êtes dit que ça économiserait énormément de plastique d'aller plutôt vers un filtre à eau qui va permettre de filtrer votre eau du robinet, votre eau courante, pour avoir une eau de meilleure qualité. Si c'est le cas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car aujourd'hui on va voir le top 3 des meilleurs filtres à eau, donc à placer directement sur le robinet, donc le robinet de votre cuisine, et au moins vous pourrez remplir une seule bouteille avec, et des centaines, des milliers de fois. Donc forcément ça va éviter de consommer du plastique, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vous ai fait une sélection que je vais vous présenter par ordre de prix décroissant d'un plus cher à un moins cher. Vraiment parmi les mieux notés, les filtres les mieux notés sur le marché. Et donc sachez que s'il y en a un qui vous intéresse, vous pourrez retrouver plus d'informations en passant par les liens juste en dessous que je vous mettrai dans la description. Au moins pas la peine de vous embêter à les rechercher. Et donc on va commencer tout de suite avec celui qui sera donc le plus coûteux, c'est le Brita. Le Brita filtre robinet avec un système électronique, donc indicateur de changement de filtre. Celui-ci, ça va être donc le plus cher. Il a un prix qui n'est pas donné, mais il a beaucoup de points positifs. On retrouve énormément d'évolutions à travers le monde. C'est un produit qui n'est pas du tout populaire en France, mais à travers le monde, il l'est avec 4,4 étoiles sur 5, sur presque 10 000 évaluations. On aura des dimensions de 6 x 16 x 24 cm. Je vous laisserai voir à travers une petite vidéo pour l'installer. Il y a un petit anneau à mettre autour du robinet et ensuite pour placer directement donc le filtre. Celui-ci forcément va pouvoir filtrer toutes les choses qui seront nocives au niveau de votre eau. C'est un système de base de filtre à eau avec une capacité à peu près classique au niveau du filtre, donc c'est conseillé de le changer quelque chose comme 3 fois par an pour réduire aussi le goût, hein. J'ai parlé de tout ce qui était produits nocifs, mais ça peut être aussi si vous appréciez pas le goût de l'eau courante, l'odeur, etc. Ça va évidemment libérer l'eau du plomb, de tous ces petits contaminants nocifs qu'on peut retrouver possiblement dans l'eau du robinet. Ça va être un filtre à eau à plusieurs étages qui dispose d'une couche supplémentaire pour piéger les sédiments, etc. Et c'est un filtre évidemment qui est sans BPA et qui aura du coup une durée de vie standard. Je vous laisserai aussi passer quelques images à l'écran, vous pourrez voir un petit peu ça. Donc c'est indiqué que ça va réduire de 99% tout ce qui sera le plomb, que faut voilà, le changer environ 3 fois par an au niveau du filtre. Et ça permettra vraiment d'économiser l'achat de centaines voire milliers de bouteilles en plastique. Bon, celui-ci a le côté électronique, mais c'est pas forcément indispensable non plus. C'est pour ça aussi qu'il est plus cher. Donc c'est pas forcément le meilleur choix, mais il reste quand même très bien noté. Le deuxième que je vous présente maintenant, qui sera déjà bien moins cher, à environ 20-25 euros moins cher, c'est le Geyser Euro filtre à eau pour robinet de cuisine, purificateur d'eau avec matériaux ultra absorbants. Celui-ci sera bien noté également avec 4,3 étoiles sur 5, sur plus de 3 200 évaluations. Alors attention, hein, ça ne va pas convenir à tous les robinets, à toutes les tailles. Donc, faut que vous fassiez attention à que celui de votre cuisine soit bien compatible. Pour ça, c'est indiqué que votre robinet doit faire entre 22 et 24 mm. Donc, c'est important de se renseigner à niveau. Et puis, tous les robinets qui ont des formes assez originales, un petit peu design, ce sera pas compatible avec. Donc, c'est vraiment pour, vous savez, un robinet dévié classique. Mais si jamais vous avez un modèle qui est classique chez vous, vous pourrez donc prendre soin de votre santé avec ce purificateur d'eau qui, grâce à son filtre à sable, élimine les particules de chlore actif. Donc, tous ces types-là, les métaux lourds, etc., les bactéries qui peuvent être dangereuses. On aura un commutateur marche-arrêt. Au moins, vous pourrez l'activer quand vous voudrez, le désactiver quand vous voudrez. Pas la peine de l'utiliser, évidemment, quand vous ferez, si vous voulez, faire la vaisselle, etc. On aura donc le côté efficacité à ce niveau. On aura une buse pour les robinets de cuisine. Malgré sa taille, ça assure une purification de l'eau en plusieurs étapes, ce qui vous permet de boire de l'eau pure et de l'utiliser aussi pour préparer du café, du thé ou de divers plats
sans nuire à votre santé, et la durée de la vie de la cartouche, ça pourra atteindre jusqu'à 3000 litres. Donc ça vous permet d'utiliser la buse pendant environ 4 mois sans devoir la remplacer. Donc beaucoup de points positifs également pour ce filtre-ci. Pour voir plus de détails, ce sera donc le deuxième lien dans la description. Et finalement, le troisième et dernier que je vous présente, ce sera le Waterdrop WD-FC1 NSF certifié filtre à eau de robinet. Celui-ci sera aussi assez bien noté avec 4,4 étoiles sur plus de 5000. Là, on a un prix qui est beaucoup plus bas, à peine au-dessus des 30 euros. Donc, forcément, c'est bien si vous aviez plutôt un petit budget pour cet achat. Vous aurez donc une durée de vie prolongée de ce filtre, donc qui sera après comme les autres à changer peut-être 3 fois à 4 fois par an. Une élimination du plomb et du fluorure avec un matériau innovant ACF qui se caractérise par une filtration rapide et efficace. On aurait donc une utilisation pratique avec une conception d'un simple commutateur entre l'eau filtrée de qualité et l'eau du robinet ordinaire qui permet de prolonger la durée de vie du filtre. Et un robinet d'eau filtrée adopte donc une technologie étanche qui peut être fixée très facilement à votre robinet grâce aux différents adaptateurs inclus. Et il faut aussi rappeler que ça fonctionne avec les robinets standards. Ça va pas fonctionner avec des robinets extractibles, des robinets à main. Ou voilà, des tailles de robinet qui seront différentes, on va dire, de la norme. Donc faut faire attention à ça pour vraiment voir plus de détails si c'est compatible avec votre robinet. Vous pourrez voir plus de détails hein, en passant donc par le troisième lien dans la description. Donc on a vraiment pas mal de points positifs avec celui-ci, hein, une couche de filtration avancée, un maillage préliminaire en acier inox qui intercepte les plus grosses particules. Voilà, c'est détaillé tout ça si jamais vous voulez voir concrètement comment ça filtre exactement, et en plus c'est donc le moins cher. Et sinon voilà, c'était tout pour ce comparatif, ce top 3 des meilleurs filtres à eau robinet qu'on peut retrouver sur le marché. S'il y en a qui vous intéresse, que vous voulez voir plus de détails, passez par les liens en description, vous pourrez voir les prix exactement, constater vous-même les évaluations clients, voir plus d'images, plus d'informations, plus de détails. Et si cette vidéo a pu vous faire gagner du temps pour votre choix, aimez la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très vite et à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.